Et bienvenue dans le unboxing du jour. Unpochetting. Ah oui, bah en fait, il est déjà unpoché parce qu'il a fallu qu'on l'installe avant pour vous le montrer. Unpochetting de Maxwitch. Alors lui, il a eu la bonne idée de faire le même packaging pour tous ses produits. Ouais, heureusement qu'il y a le nom sur une petite étiquette. Voilà, derrière, c'est ça. Sinon, après... Mais ils sont bien protégés à l'intérieur. Donc là, il y a des cartes déjà préparées. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille pour téléphone, pas forcément pour iPhone, on va y revenir, qui va vous permettre de faire une carte au portefeuille ou n'importe quel autre objet plié, genre papier, billet, à l'intérieur du petit portefeuille en cuir. Et qui va venir se coller à l'arrière de votre téléphone, donc vous pouvez avoir toujours sur vous, ou dans la poche, quand on vise. Et le mettre quand vous avez besoin, pour pas que votre téléphone soit épais, en temps normal. Exactement. Vous avez un espace, donc... Avant de parler du portefeuille en question, si vous n'avez pas un iPhone 12 qui ont automatiquement, eux, ce type d'aimant à l'intérieur de l'appareil, vous pouvez, avec le sticker fourni, personnaliser votre coque, que ce soit iPhone ou Android, pour avoir cet aimant et donc le coller dessus. Ça colle vraiment très très fort. Vous pouvez y aller, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est assez cool. Vous pouvez vraiment personnaliser ça à votre téléphone. Et comme tu l'as dit, si on ne veut pas l'utiliser, on ne l'utilise pas. C'est censé être un petit porte-carte de visite, en fait. Ouais, exactement. À l'intérieur, vous avez de l'espace pour mettre 5-6 cartes de visite ou des cartes de crédit si vous en avez besoin. Et donc... Hi everyone in France, Patrick. Comme vous pouvez le voir. Mais je me suis trompé de bouton. Mais vous avez ici donc la petite carte. Je vais me mettre dans le bon sens pour pouvoir le faire. En fait, déjà, ce que j'aime bien, c'est le côté... Tac. Un peu Mulica. Donc tu arrives avec ton truc... Tu fais ça. Oui, et tu es chargé derrière. Et tu te charges, exactement. Et donc, tu viens prendre la carte et tu viens la sortir naturellement. Alors, est-ce que tu as une carte bleue pour faire voir Attends, sinon je la fais à l'envers. Oui. Comme ça, je te montre. Donc, on revient. Tac. Mais l'idée, c'est que vous êtes là, vous venez prendre la carte et vous venez la sortir. Et en plus, elle se retourne. Elle se retourne. C'est un nouveau tour. Il y a un effet carte wrap. Donc ouais, c'est le même principe. Vous échangez une carte contre une autre, ou un papier contre un autre où vous avez pris une info. Exactement. Et ainsi de suite. Et là, vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur la carte, alors qu'en fait, vous n'avez pas mis la carte, mais vous avez mis le gimmick. Oui. Donc en fait, ça vous permet d'échanger, et ça vous permet toujours après de faire le change si besoin. Donc en fait, il y a une double poche qui est vraiment très intéressante dans les faits et qui va vous permettre de faire derrière ce que vous voulez, quoi. Vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez à l'intérieur parce que c'est fourni vierge. Il vous fournit un petit peu de matériel, tu sais, t'as le petit tissu noir. Royal. Je vais essayer de ça. Qui a déjà été utilisé. C'est facile. Ouais, bah oui, là on a fabriqué le premier gimmick là, avec une carte rouge. Vous pouvez évidemment le faire avec vos cartes de visite pour faire du pocket writing et les charger derrière. Enfin, vraiment, vous avez de quoi vous amuser. Donc, le gimmick et tout, voilà, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Et tout facile à faire. Et du coup, derrière, il y a dû un système de black card pour que vous puissiez montrer le truc sous tous les angles. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on va voir au dos. Exactement. Donc, en fait, tac, tac. Donc, c'est vraiment bien pensé. Et derrière, vous avez une porte ouverte à plein de routines, quoi. C'est un outil. C'est ça. La qualité du cuir, elle est top. La qualité des coutures, c'est dans la lignée du Modern Z Wallet. Ouais, c'est ça. C'est la même gamme, ouais. Patrick Kuhn, toujours très qualitatif sur la fabrication. Et honnêtement, j'avais peur que ça fasse gros, mais ça prend pas tant de place que ça derrière le téléphone. Et on s'y habitue, en fait. D'accord. Donc, c'est assez agréable d'avoir un effet supplémentaire sur son téléphone. Et maintenant que ça se démocratise, ça fait pas tour de magie. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est utilisable, en vrai. Donc... plutôt satisfait, plutôt étonné même, parce que la qualité, elle est vraiment au top. Et c'est rigide, c'est solide, les aimants, ils sont à l'intérieur. Bref, si vous aimez l'effet, vous ne serez pas déçu par la méthode et par la qualité du produit. Ça s'appelle Maxwitch. Et c'est disponible chez Magic Dream avec la vidéo explicative en français. À bientôt, salut, bye bye. À bientôt.